האידיאלים היותר נישאים במתרוממים עד אין קץ, עד אותו המקום שעין האדם מתעששת, בין הדיבור וההיגיון שולט שם לקרוא בשם פרטי, שמה אי אפשר לעמוד כי אם באור האמת המוחלטה. בין שום דרך איך להשפיל ולסמן בשום ערך מוגבל, על כן יקרא באמת בשם התרוממות גמורה, המתנשאת עד העד, בשם רצון השם ועבודת השם. זה קומפרי? לא? לא? ביזר. Donc, les idéaux les plus hauts, il y a toutes sortes d'idéaux dans la Torah, c'est-à-dire des niveaux les très très hauts de perception de la volonté de Dieu, de l'idéal divin. Bon, il y a des idéaux qui sont tellement hauts, qui s'élèvent de manière infinie, à un tel endroit où on commence à voir trouble. C'est la métaphore, que tu peux voir, disons, la lune, mais après les astres plus hauts, tu vois que du feu, tu vois plus rien. Aïn Adam ita shechet. Ven a dit bourg. Tu vois bien? Qu'est-ce qui se passe? Ah, t'es froid? Ouais, moi je crève de chaud. Ven a dit bourg ve gayon shelet sham. C'est-à-dire, c'est tellement haut qu'il n'y a aucun mot qui puisse avoir emprise pour définir ces idéaux. Parce que tout mot, comment on dit un mot en hébreu? Mida ze machal la moule. Brit Mila. C'est de la moule, coupé. Tout mot, coupe, défini. Maintenant, quand il en arrive, il disait, oh, t'es tellement large et tellement vaste, chaque mot que tu dis envers lui, ça rapetissit. Comme si je te dis, dis un mot qui soit adéquat à Dieu. Il n'y a rien à dire. Tout ce que je vais dire, ça va rapetissir. La meilleure des choses que je puisse faire, c'est de me taire. L'echa dumia teila. La plus grande des louanges envers Dieu, c'est de se taire. Parce que quoi que tu dises, tu vas rapetissir. Il n'y a pas le choix. Dieu m'a dit, toi, tu me décriras de cette manière, et la gadol, gibor, enor. Mais si c'était lui qui m'a demandé d'interpeller de cette manière, je serais resté muet, tellement c'est grand. Donc là, il y a parfois des idéaux qui sont tellement hauts qu'on n'y voit plus rien, on ne comprend pas grand-chose, on n'est même pas capable de donner des noms à ces idéaux. Donc, par manque de choix, ben, on appelle ça de manière un petit peu vaste. Retzon Hashem. Avodat Hashem. Qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas quoi dire. Donc, c'est la volonté de Dieu. C'est le service divin. Omnam, hakacharet nasut amarchavit aidalit apratit admekom sheyadamagat. Évidemment, pas d'emblée tu vas vers cette approche de dire, tout n'est que volonté de Dieu. Bien sûr que tout est volonté de Dieu, mais tout ce que tu peux comprendre, tout ce que tu peux expliquer, tu dois l'expliquer. C'est ce qu'il dit le Rambam. Comme Asherol le Karev, la Sechel le Karev. Il y a toutes sortes d'ordres, d'aspirations que te demandent d'arriver à elles. Eh ben, essaye de comprendre le bien qu'il y a en cela, etc. Donc, quand est-ce qu'on en arrive seulement à, par manque de choix, de dire de manière un petit peu vaste, Retzon Hashem, ça charé. C'est-à-dire, fais de ton mieux d'essayer de comprendre, et quand il arrive au summum de tes capacités intellectuelles et que tu n'y comprends plus rien, alors tu dis « Retzon Hashem ». Après que tu aies compris que toute compréhension humaine, combien grand soit-elle, elle est toujours finie, toujours définie, alors que dans le cœur de l'homme, il y a une aspiration, un languissement vers ce qui est en delà de toute limite. Et après la compréhension profonde que toute action positive est ensemencée dans la vie du collectif, il y a certaines choses. Je sais que c'est la volonté de Dieu, j'ai fait de mon tout, de mon mieux pour essayer de comprendre, mais je n'y comprends rien. Mais au moins je sais quelque chose. D'abord que je fais la volonté de Dieu, je fais le service de Dieu, et je sais autre chose, que toute bonne chose que je fais dans ma vie, même si moi je ne comprends pas à quoi cela mène et quels en sont les fruits, et ce que moi je vais en récolter, je dois savoir que toute bonne action est ensemencée dans la vie du collectif, et à courte ou longue
échéance donnera ses fruits. Ulchol dor vador yesh chelek echad mine revavot enket. Chaque génération a une part dans cette, dans, on va dire, cette finalité infinie de l'idéal divin. La lotolitrovem. Chaque génération rajoute chacun sa petite brindille de l'édifice du bien dans le monde. Aval alia et tromemut agmura idealit begvana echleti arirag beotzar achayim. On sait très bien que l'élévation la plus haute, elle est dans le trésor de la vie. Chez Sham, Gam, Tov, Aïdon, Abilti, Mugbal, Mouchoir, Gam, Kol, Tov, Kalkatal, Mitardim, Mitarginim, Imachef, Etzaloï, et tout est englobé dans la volonté de Dieu, Hachalem, Etachlit, qui est parfait. Asgam, Achaim, Amasim, Achemoti, Mouchachim, Em, Litromem, Le Malat, Atsilut, Yala, Marchava, Yeterzaka. De ce fait-là, la vie sociale aussi doit s'élever vers la noblesse de la pensée la plus pure. Ayoter metuna veyoter mevuret, amitnaset, mal kol akatnut veakentriut. Et donc, on doit toujours s'efforcer de s'élever de toute petitesse, de toute mesquinerie. Anim saot betartit achayim shenishpal bahem adechemla amon. C'est-à-dire ne pas patauger dans la petitesse de la foule. Atchéori de lave, gam et sofra avec de lave, à tel point que malheureusement, il a réussi à faire sombrer avec lui, la foule, même ses écrivains, et c'est grand. Des fois, quand la société est tellement sale, est tellement embourbée dans la boue de la petitesse, alors même les écrivains, eh ben, sont à la même bassesse. Achipal gam aleem, shirchevu gam emat kol emet, yuter nisa ve kol igaon, yuter ram, amitalem yoto aromek shetuvo, bo betigratia, adam urma, barout, shilon varim, shalam yachas, yachar, emachayim, akaimim, à tel point que, on en arrive à une situation, où les gens, les littéraires, pensent que toutes les choses de la religion, de la spiritualité, de la proximité de Dieu, sont des choses bizarres, qui n'ont aucun rapport avec la vie réelle, la vie active. Donc ils ont tendance à mépriser, à dédaigner tout cela. Malheureusement, tout ça est le fruit de la crise de notre génération. Donc tout ça était l'introduction pour expliquer la suite. Omlam. Rakade chapona el rum amarshava yedealiut, ou rak. ומאיר את החיים וממלאם צחצחות וזו ליושיבם על בסיסם ונועד להם לפי טבעם העצמי. Il faut contraire, il faut comprendre que bien au contraire. La pensée qui se lève vers l'idéal, le plus idéal, le plus haut, le plus noble, ben elle seulement est capable de construire la vie sur des fondations proches de la nature de la vie. Agalouz v'omekol lev v'nefesh. Cette nature qui se trouve enfouie au plus profond du cœur et de toute âme. C'est-à-dire, les gens pensent que les belles paroles spirituelles de la Torah sont des discours artificiels qui n'ont aucun rapport sur la vie active. Enfin, c'est exactement le contraire. Plus on arrive à élever les aspirations vers les sphères les plus hautes, plus la vie réelle et concrète s'améliorera. Plus on a des idéaux lointains, plus on construira le monde de manière sérieuse. Parce qu'il y a ça vaut le coup, pourquoi construire? Je comprends. Je vous donne un exemple très simple. Si tu sais que, par exemple, tu vas vivre avec ta femme pour les 120 ans à venir dans un amour extraordinaire, alors ça te motive à construire le présent, à faire en sorte que la maison est belle, qu'il y a des rideaux, que tout marche, que rien n'est cassé, etc. C'est-à-dire que tu investis dans le présent parce que tu sais que je suis en train de construire quelque chose à longue échéance et qui vaut le coup. Si je me dis de toute façon tout va exploser, on va se divorcer dans 2 mois ou dans 2 ans, t'en fous pas mal, le fauteuil il craque, tu laisses craquer, le frigidaire, la porte elle tombe, tu laisses tomber. C'est-à-dire plus ton idéal est lointain et tu as un horizon heureux et réussi dans l'idéal lointain, plus ceci a des répercussions dans la vie du présent, dans la construction matérielle la plus sophistiquée. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, que les pensées spirituelles lointaines te déconnecte de l'existence et t'amène à un certain abandon de l'existence réelle. Il dit que c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Si tu vois qu'il y a un peuple qui investit énormément dans le développement de sa nation, c'est parce que ce peuple a une foi certaine qu'on est en train de construire pour Dieu, pour du solide. Mais si tu sais que tout est éphémère, alors tu fais ça n'importe comment. C'est clair? Donc, ce qu'il est en train de dire. Raka derech hapona al rum amarshava idealit. Ce chemin-là qui tend vers les hauteurs les plus
les plus grands auteurs de la pensée idéale, Urakum Eiret Achaim. Seulement cette manière éclaire la vie, Umemalam Tsarsachot Veziv Leoshivam Albesisam, et réussit au contraire à fonder la vie sur des bases solides, Anoad Lahem Lefitivam Atmi, qui sont en adéquation totale avec leur nature propre, qui se trouve profondément enfouie dans l'âme de tous les individus. Bemida Kazot, Amasarim Asikhliim, Amusarim Mitpatrim, Achaim Zochim Eminuam, c'est-à-dire toute la petitesse d'esprit se libère de ses ligaments, et la vie commence à rayonner. Kol Rina Vetzolam, Vetzadikim, etc. Kol Alitiot Ativiot, Omdot Achen Vetchabatan. Maintenant, on en arrive, après cette compréhension, comment construire la personnalité aussi bien individuelle que collective aujourd'hui. Kol anitiot ativiot, ce qui veut dire toutes les tendances naturelles qu'il y a dans l'homme. Omdot achen, c'est-à-dire se tiennent au garde à vous. Berchavatan le malet tafkid Elohi yatov enahor, pour remplir leur rôle. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune des forces que tu as dans ta personnalité qui a été créée pour rien. Il y a des gens qui pensent qu'il y aurait cette force, elle a tendance à me faire tomber dans toutes sortes de saletés et d'averot. Moi, je la casse. Je l'anéantis. Non. De la même manière, le jour où tu comprendras que ton corps est la projection de ton âme, tu comprendras pas mal de choses. C'est-à-dire, tu vas comprendre que ton corps existe en fait pour que tu arrives à certaines conclusions. Quand tu analyses ton corps, tu te rends bien compte qu'il y a énormément de membres, il n'y a pas un seul membre qui est inutile, qui est là par hasard. C'était pas toujours évident, sachez-le. Ils se sont dit, tu regardes, les amygdales, ça fait des problèmes, des fois des infections. Tous les bébés qui naissent, on leur coupe les amygdales. Il n'y a plus de problème. L'appendicite aussi, très souvent, il y a des infections. Tous les bébés qui naissent, on coupe l'appendicite. Après quelques temps, ils se sont rendus compte que c'était une grosse gaffe. Et ça a au contraire développé toutes sortes de maladies. Donc tous les membres sont nécessaires. De même, tous les membres de ton âme sont nécessaires. C'est-à-dire toutes les tendances qu'il y a dans ton âme sont nécessaires. Et rien n'a été fait de manière arbitraire, fortuite. Bien que pour l'instant, parce que tu es encore dans tes premiers pas, souvent, certaines forces de ta personnalité te font tomber vers le mal. Alors tu peux arriver à la conclusion, Tov, si c'est comme ça, j'y renonce. Cette force, je ne sais pas comment la dompter, alors je l'annule, je la détruis. Non, grosse erreur. Tu dois apprendre à t'en servir à bon escient. Kol anitiot ativiot omdot achen b'alchavatan l'malet atafkid oli yatov enahor. Kol amachshavot asichliot inan ameorot agdolim l'azreach oram el kol atzot achayim. Toutes les pensées aussi. Il y a des gens qui disent, oh, à force d'y penser, tu risques d'arriver à l'hérésie. Elle ne pense pas. À force de développer un esprit critique, tu risques de remettre en question l'existence de Dieu, la véracité de la Torah. Annule ton esprit critique. Grosse erreur. Sachez qu'il y a pas mal d'écoles de pensée religieuse qui donnent ça comme directive. Va savoir où tu vas arriver si tu commences à penser. Fais-moi plaisir, ne pense pas. Non. Il y a un Mahamar dans le Rav Kook, dans Igvatson, Mahamar Apahad, l'article sur la peur. Il y a des gens qui ont des phobies. La pire des peurs, il dit le Rav Kook, c'est la peur de penser. J'ai peur de penser, de peur qu'à force de penser, j'arrive à l'hérésie. Donc je pense pas. Je deviens un automate. Mais tu n'es plus un homme. Tu es censé servir Dieu, pas seulement avec tes membres, mais essentiellement avec l'essentiel de ta personnalité, qui est la pensée. Donc tu ne peux pas dire, pour être sûr de servir Dieu, je vais me neutraliser à la pensée. Alors, tu sers Dieu avec tes pieds, alors lui Dieu avec l'essentiel de ta personnalité, qui est ta cervelle. Grosse erreur. N'aie pas peur de penser. C'est vrai que plus tu t'élèves dans la vie, plus la chute fait mal. Donc il y a des gens qui disent, si c'est comme ça, moi je prends jamais l'avion parce que je risque de m'écrouler. Bon, c'est bien quand tu veux aller à l'épicerie d'à côté en trottinette, mais tu ne peux pas traverser un océan en trottinette. Donc il n'y a pas le choix que d'être en progression constante. Et toute élévation a ses risques. Et malgré tout, on est prêt à prendre les risques pour toute élévation.
Il vaut mieux prendre un avion, même au risque d'y périr, que de voyager toute sa vie en trottinette. De même, il vaut mieux devenir intelligent et brillant et avec un esprit critique, quitte à prendre le risque de tomber dans l'hérésie, que de rester un idiot. Parce qu'un idiot, il n'est pas Oved Hachem. Dieu t'a pas demandé de rester un idiot. Parce que vous comprenez que dans cette démarche, il n'y a plus de fin. Quelqu'un dirait, regarde, avec mes yeux, je peux voir des choses interdites. Attends, je me crève les yeux, je ferai plus de péché. Avec mes oreilles, je peux entendre la shonara, je me coupe les oreilles. Avec ma bouche, je dis la shonara, je me coupe la langue. Attends, j'ai une super solution pour toi. Tu rentres dans ta tombe, tu feras plus d'avérot. Non, mais il y a marqué, Atem advekim b'shem Elohechem, chayim kulechem ayom. Vous qui êtes en communication, en communion avec Dieu, vous êtes vivant. Toute l'astuce, c'est de servir Dieu en étant vivant, pas en étant mort. Les morts sont exemptés des mitzvot. Donc de dire, voilà, pour ne pas fauter, je vais couper toutes mes facultés qui pourraient me mener à fauter. C'est plus de la Avodat Hashem, tu es mort. Tu dois garder toutes tes facultés et t'en servir à bon escient, et en cela tu vas Avodat Hashem. Pas minimiser au minimum vital pour être sûr de ne pas pécher. Ça, c'est la pire des fautes. Vechata ala nefesh, dit Chazal, le nazir. Vechialeze nefesh. Qui t'a permis de te priver de vin? Apporte un corban. Alors, Kol Sheken, Mishemona Tatsmo, mais Kol Davar Vedavar, dit Srazal. La plus forte raison, celui qui se prive de tout pour être sûr de ne pas pécher. C'est plus Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est de garder ta vie à 100% et d'exprimer tes potentialités à 100% et qu'ils aillent dans le bon chemin. C'est ça, Avodat Hashem. Pas d'arriver sur un brancard comme un cadavre, dire voilà, j'ai pas péché, Dieu. Tu aurais pu mourir déjà dans le ventre de ta mère, tu aurais évité tout ce problème et tu n'aurais pas fait de péché aussi. Donc, c'est ce qu'il dit là. Alors, on continue. On en était. Line. Bon, il n'y a pas de ligne chez moi. J'en étais effacé. Donc, Kol Alitiot Ativiot. On est dans l'avant-dernier paragraphe, quatrième ligne. כל הנטיות והטבעיות עומדות אכן בהרחבתן למלא את התפקיד האלוהי הטוב והנאור, כל המחשבות השכליות הינן המאורות הגדולים להזריח אורם של כל ארצות החיים, של אור הצדיקים, כאור נוגה הולך והאור הנכון היום, על כן אין שום כוח נידח. סקילה רוסון ותוסלה, קוקין פורס דותה פרסונליטה, נתקזילה, למתקוטה. תו דותת מי און אקספרסיו. אין שום מחשבה נתקט. Aucune pensée n'est opprimée. Qui m'a kol meir, tout rayonne. A kol chai, tout est vivant. A kol mouchan ou mezumam les charrettes et malaché à charrettes. Toutes les forces de ta personnalité sont toutes prêtes à servir Dieu comme les anges. Mais les chorer, im kolar les shachak, et de chanter ensemble avec toutes les créatures célestes. Ce sont des métaphores, évidemment. Les asbia le kol chai ratson, c'est-à-dire dire, de remplir tout vivant de volonté divine, velarbod a osher aklali va pratit shel simchat Hashem ma'asav, et de rajouter du bonheur aussi bien dans le collectif que dans l'individu, et comme ça apporter la joie de Dieu dans ses créatures. C'est-à-dire un être normal est censé vouloir procurer du bien-être et du bonheur à toutes les créatures de Dieu, et non pas à se vivre comme un, comment on appelle ça, ceux qui s'isolent dans le christianisme, dans un monastère. Comment t'as dit? Un ermite. Ermite? Ok, voilà. Ça, c'est pas pour nous. Hein? À 16? Comment on écrit ça? Okay, il y a aussi un truc comme ça. N-A-7, voilà. Kshem italon uidvachim, kshem smechim, umitmanim ziv. Ensev et Touga, donc il n'y a plus de tristesse parce que toute force qui a été opprimée entraîne frustration. Frustration entraîne colère. Toujours.
Quand tu vois quelqu'un de très coléreux, qui n'arrête pas de se jeter sur tout le monde, d'engueuler tout le monde et frapper tout le monde, en fait, il voudrait se rentrer la tête dans le crâne, tellement il n'a pas réussi à s'exprimer dans la vie. C'est une frustration très, très profonde. Mais se rentrer la tête dans le crâne, ça fait la tête dans le mur, ça fait mal. Alors que foutre un coup de pied sur les fesses de son copain, ça fait moins mal. Et il délibère comme ça sa frustration. Donc tous les gens coléreux, c'est par manque de créativité. Donc si la religiosité mal comprise t'amène à opprimer toutes tes forces, sans aucun doute tu en ressors de quelqu'un de frustré, et donc de quelqu'un de coléreux, et de quelqu'un d'insupportable. Super. Donc il dit, là c'est exactement le contraire. En etzev et tougar, il n'y a plus de tristesse. En satav ne pegara, rak soukat shalom, proussav, choufat kavod, prophète, alkol regesharaim. Tu es rempli de shalom, tu es rempli d'amitié, tu aimes tout le monde, tout va bien dans ton intériorité, donc tu aimes les autres. Alkol n'était au marchava, alkol maaseh au mifal. Ve kulam em met kashrim yachad, le'asot al yadam ha'uma ve'ador. Et tous s'unissent ensemble et constituent ensemble la génération et la nation. Aklali va prati, Ishraï, Rav Pealim, Mekabtseel, Shiriba, Vekibetz, Palim, la Torah. Donc tout ça, ce sont des allusions profondes, on ne va pas s'attarder. Shelchumil Hamak Vedalo, c'est-à-dire il n'a peur d'aucun combat. C'est-à-dire quelqu'un qui est construit de cette manière, où il donne expression à toutes ses forces, il n'a peur de rien, il n'a peur d'aucun combat, il sait pertinemment qu'il gagnera tous les combats spirituels. Shekol Koach Adir Amitraber. Il sait par avance qui sortira victorieux de tout combat. Tous les outils dans sa vie, tous les outils, les atouts qu'il a en lui, les potentialités qu'il a en lui, il est prêt à se servir de tout et tout est sous sa main pour renforcer son patrimoine. Hodo Venitzro, sa splendeur et son éternité. Oui, Kachne, Ariel, Moav, ça fait allusion à un combat qui a eu lieu dans la neige, et je sais pas, il est descendu dans le puits, il a pris l'épée de l'ennemi, il a tué avec. Pour dire que tu te sers même des forces maléfiques qu'il y a en toi, à bon escient. C'est comme ça que le Rav Kouk explique ce pérec dans Tanakh. Je me rappelle plus ici. Vous avez pas le livre normal? Ken, Yoda, Ken, Yoda. D'ailleurs, les livres du Ben Ishraï sont conçus sur ces mots-là, de ce pasouk. On peut traduire, si vous voulez. Ouika, Elchine, Ariel, Moab. Il est descendu. Vehouyarad, Vika, et Arib, et Tochabor. Il est descendu dans le puits. Il a mis à mort le lion. Beyom HaShelek, dans un jour de neige. Vehouyika, et Ish Mitzri. Il a réussi à mettre à mort cet Égyptien, Ishmaré, quelqu'un qui était très fortiche, ou bien Damitri Khanit, alors que cet Égyptien avait en main une lance. Il est descendu chez lui, il lui a pris sa lance, et avec la lance elle-même, il l'a mis à mort. C'est-à-dire, des fois, tu te sers même des forces maléfiques de l'ennemi pour le détruire lui-même. Ah, j'ai oublié, c'est un des combats, je sais pas, judo, je sais pas quoi. Taekwondo, voilà, il s'apprête à te foutre une patate et tu bouges en Europe et il s'écroule. Avec sa force lui-même, tu le fais tomber. Bon, ça c'est toute la salle est un fortiche dans ça. Là, pendant la guerre d'Aza, ils ont fait pas mal d'astuces très intelligentes. Mon fils est retourné hier de la guerre, il m'a raconté. Il m'a dit, ils ont détruit tout la Sayeret Matkal de Gaza. Il m'a dit, ils sont tombés comme des bœufs dans tous les pièges qu'on leur a tendus. Par exemple, ils ont fait exprès de laisser une brèche dans la Gader. Comment on dit le Gader? La barrière. Donc, ils ont vu ouvert. Ils ont dit, oui, super, on va rentrer faire des pigouim. Ils les attendaient de côté, ils descendaient comme des canards un après l'autre. Mais Matt, ils sont tombés dans tous les pièges. Ils sont pas tellement futés, ces mecs-là. Ils sont très mauvais, mais pas tellement futés. Ils ont... Tous les pièges qu'ils ont entendus, ils sont tombés dedans. Donc, on continue. Keaprat, Kenaklal. C'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant à l'échelle de l'individu.
qui doit prendre toutes ses forces et s'en servir à bon escient et n'annihiler aucune force, eh bien, a plus forte raison au niveau de la nation tout entière. Kéaprat yénaklal. Lorsque l'homme se trouve encore au niveau bas de la morale, parfois, tu n'es pas à même de faire ce qu'on vient de décrire, ça veut dire d'élever toutes tes forces et de t'en servir de toutes pour le bien divin. Tu sais pas le faire. Alors quoi faire? Je vais laisser toutes mes forces sortir et faire du mal. J'ai pas le choix. Je deviens infirme. Ça veut dire, certaines forces, je ne leur donne pas de possibilité d'expression jusqu'à nouvel ordre. Et c'est le moindre mot qu'on dit. Il vaut mieux vivre à moitié et bien que vivre entier et une crapule. D'accord? C'est ce qu'on peut faire. Des fois, on ne sait pas faire. Nahon, c'est pas l'idéal, mais qu'est-ce qui vaut mieux? Ben, c'est ce que chacun doit faire dans ses premiers pas dans le détaché. Et après, être conscient que c'est pas l'idéal encore. Si tu dis à un petit enfant, sers-toi de toutes tes forces pour le bien, il ne sait pas ce que ça veut dire. Parce que ses forces, pour l'instant, il n'a appris qu'à s'en servir que pour le mal. Il ne sait pas ce que ça veut dire servir pour le bien. Donc pour l'instant, tu te calmes, cette force, tu descends le volume à zéro. Tu t'en sers pas. C'est un cheval fou que tu ne sais pas dompter pour l'instant. Descends à zéro. Après que globalement, dans ta personnalité, tu es quelqu'un de bien, petit à petit, une par une, tu apprends comment les dompter, les canaliser vers le bien. C'est-à-dire? Hein? Voilà. Assis-toi, c'est tout. Prends pas la tête, on lui dit. Je lui dis pas, je sais pas, sers-toi de cette énergie pour le bien. Il n'est pas capable de le faire. C'est un fouteur de pagaie dans la classe. On te cloue à la geste, tu ne bouges plus. Voilà. Et ouais, mais le prof, il ne peut pas faire ça tout le temps parce que s'il en a 30 comme ça. Il y a de plus en plus de, ce qu'on appelle ça, des dérangements de cachet-vericouze, hyperactif, etc. C'est quoi l'histoire? Ah, c'est un gosse qui était hyperactif. Alors ils ont dit aux parents, regarde, il faut que tu prennes de la rétaline. Et les parents, ils ne voulaient pas, etc. Et l'enfant, il ne voulait pas parce qu'il avait honte. Il dit, à chaque fois que je prends la rétaline, mes copains vont se foutre de ma gueule, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc c'était vraiment le vacarme, le balagan dans la classe, etc. Donc le prof, il a trouvé une astuce. Il a dit à l'élève, regarde, tous les jours vers 10 h, je vais te dire, va me préparer un café dans la salle des profs. Et là-bas, en cachette, tu prends ta Ritaline. Super. Un mois passe, la classe, elle est très calme, etc., etc. Alors, réunion de parents d'élèves, le prof, il raconte l'astuce aux parents, les trucs. Il demande à l'enfant, alors t'es pris la Ritaline, mais tous les jours à 10 h, je mettais la Ritaline dans le café du prof. Et depuis, il n'y a plus de problème. Donc, les profs eux-mêmes ont déjà un problème parfois, donc ils renvoient les problèmes sur les gosses et c'est les gosses qui sont. Hein? C'est ce que tu as fait quand tu étais petit? Hein? Ah. On prend. Donc, Kéaprat Ganaklal, ce qui est vrai pour l'individu est aussi vrai pour le collectif. Donc, lorsque tu es encore au bas niveau du moussard, c'est-à-dire seulement dans une situation où tu es obligé d'opprimer certaines forces. C'est vrai que c'est pas le top, comme on dit. C'est un chemin assez bas. Hachoucha, même obscur. Ou milchama, est empli de guerre, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, des forces qui n'arrivent pas à s'exprimer, elles sont en ébullition. Donc, il était constamment en guerre constante à essayer d'attraper de force ce cheval fou qui veut exploser tout le temps. Avalim kol hakvedut, malgré toute la difficulté, marchiréa nechonim lefanea, il n'y a pas le choix. En fin de compte, les forces
qui jusqu'à présent ont servi le mal sont dominés. Ayad la goveret yé az shela yosher, et tu auras la main haute sur les forces maléfiques de ta personnalité et tu tiendras la route de la droiture, shela tzedek, de la justice, shela tov, du bien, batushia kefi amuvan argil vamuskam. Shigamane beruba minam omdim bematzav akvisha. Donc toutes ces forces, de manière générale, ils sont sous contrôle. Az gam drachim apratim shelaem minam meleim milchama venitzachon erdav. Donc c'est tout le temps en guerre. C'est tout le temps une guerre intestine. Olimitri, olimiotri, dit Srazal. Malheur à moi de mon créateur, malheur à moi de mon penchant. Ça veut dire, quand je me laisse aller à mes penchants, alors je me sens mal envers Dieu. Et quand j'obéis à Dieu, je me sens mal envers mon penchant parce que je ne lui ai pas donné de possibilité de s'exprimer. Quoi qu'il arrive, je me sens mal. Je suis jamais dans mon assiette, mais qui sort dans cette situation. C'est toujours en situation de non-satisfaction. Top, mais il n'y a pas le choix. Il vaut mieux être en situation de non-satisfaction et ne pas être un assassin que être en satisfaction et être un assassin. Même si les gens n'assassinent pas par la peur de la police, c'est déjà pas trop mal. On dit « Eve mit palel ta'ish ». Prie toujours pour le bien du royaume, même si c'est un royaume crapuleux. Si ce n'était la crainte de ce royaume, les gens seraient bouffés les uns les autres. Donc bien que ce n'est pas le grand idéal, on fait ça par la peur et par la terreur, mais ça tient au moins un certain équilibre dans la société, qui n'est pas l'anarchie totale. Ce n'est pas l'idéal, mais c'est mieux que rien, comme on dit. Donc de même, dans ta personnalité, des fois, il y a certaines forces que tu n'es pas à même de canaliser vers le bien. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, je les étouffe. Provisoirement. Je travaille sur les autres forces, je tiens la route, j'ai un certain équilibre dans le bien, dans la justice. Un beau jour viendra, je me sentirai fort et puissant et stable. J'ouvrirai la bouteille de ce démon et voir comment apprendre à le dompter petit à petit. Pour l'instant, je l'étouffe dans la bouteille. Ça risque d'exploser toutes les secondes, mais je suis sur le qui-vive. Et ceci est nécessaire de prendre des médicaments amers, et personne n'a envie d'avaler des médicaments amers, mais il vaut mieux avaler des médicaments amers et de vivre que ne pas les avaler et de mourir. Les médicaments amers, ben, c'est cette non-satisfaction constante de ces forces qui sont opprimées. Donc il y a une certaine amertume. Mais je suis prêt à payer le prix pourvu que je ne faute pas. Il n'y a pas le choix, c'est la meilleure des choses qu'on puisse faire. On tourne la page. Maintenant, ce qu'on vient de décrire maintenant, cette manière de Avodat Hashem, dit le Rav Kook, Kazoti ayahadut shebechutz la'aretz. Tel est le judaïsme en dehors d'Israël. C'est la seule manière de servir Dieu. En dehors d'Israël, on ne connaît pas et on ne sait pas comment gérer toutes les forces. On ne peut que opprimer les forces qui ont des tendances négatives. Cette école à penser de dire élever les forces, canaliser les forces, donner expression à toutes les forces, on ne sait pas le faire. C'est la Torah d'Eret Israël. Kazot yi yadut shebechutz la'aretz. She'enena yechola liyot bemilua v'taorata. Elle n'est pas capable de vivre entièrement dans toute sa pureté. Kisof kol sof alo kol adam bechutz la'aretz domé hu kemi she'eno eloa. En fin de compte, il est marqué dans la Gemara que tout celui qui habite en dehors d'Israël est considéré comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas l'endroit normal pour servir Dieu là-bas. Tu vis dans la normalité et tu peux pas espérer de vivre dans une normalité quand tu es dans un territoire d'anormalité. Sham, là-bas, be geet salmavet, dans la plaine de la mort. Yifshar l'alechet be melchav. On peut pas s'en aller dans la largesse. Tu es obligé de te rentrer dans l'étroitesse, dans le minimum vital pour ne pas fauter. Yifshar lishof lechaim eneim. Aucune possibilité d'aspirer à une vie entière, complète, pleine.
Car la vie sociale, la vie nationale est empoisonnée du poison de l'air de Khutzlaret, de l'air des nations. C'est-à-dire l'atmosphère là-bas, elle est tout à fait adéquate aux peuplades qu'il y a là-bas. Mais elle est totalement inadéquate au peuple d'Israël. On est asphyxié. On n'a pas notre oxygène, notre ambiance qui nous est adéquate. Quant aux goyim, eux peuvent construire là-bas tous leurs idéaux les plus suprêmes. Par contre, l'homme d'Israël ne trouvera là-bas même pas un seul point d'idéal spécifique à sa nature. Tu n'es pas dans ta nature. Et donc, tu ne risques pas de vivre à plein poumon. C'est comme si que tu essaies de vivre sous l'eau. Donc, il y a des bouteilles de gaz. C'est ça qu'a l'air un juif en route de l'Aretz. Il est dans une ambiance sans oxygène. Il n'a pas d'oxygène adéquat à sa nature. Donc, il fait de la plongée sous-marine. Il a des bouteilles de gaz. Il est recroquevillé sur lui-même. Et il essaie de survivre. C'est de cela à l'air le judaïsme de route de l'Aretz. Hakanu Mouchach Liot Solea Liricho. Il n'a pas le choix que d'être titubant sur sa cuisse, qui est dit à propos de Yaakov, qui a fait la guerre contre l'ange des Saves. C'est-à-dire le peuple d'Israël, quand il se trouve dans le royaume des Saves, c'est-à-dire en Europe, il en ressort avec une jambe cassée. Il tient pas la route comme il le faut. לרכז את כל משאלותיו רק במילות צרכיו הפרטיים המוכרחים לחיי העיכול והזנה לבדם. Ça veut dire, si on veut faire le point de toute l'aspiration d'un juif en Khutz Laretz, c'est de satisfaire tous ses besoins individuels qui lui sont nécessaires pour la vie de la digestion et de la nourriture. De quoi parle le juif en Khutz Laretz? Il y a une boucherie cachère? Ils ont fait des cadeaux cachers. Ah, et aujourd'hui, il y a un super dans lequel il y a un rayon cachère. On ne parle que de cachère. C'est ça tout le judaïsme. Comment pouvoir manger cachère? Pour survivre. Mais de vie, il n'y en a pas. Il n'y a rien à faire. Il n'y a donc aucune expression du peuple d'Israël en Khutz Laretz. Qu'est-ce qu'on peut faire entre temps? On est sous l'eau. Eh bien, qu'on ait une bouteille d'oxygène. Qu'on survit jusqu'à qu'on sorte la tête de l'eau. Le jour où on arrivera en Eretz Israël, on vivra à plein poumon. Pour l'instant, il faut survivre. Donc tout tourne autour de l'appareil digestif. On a vite fait le point du judaïsme. Ou miseba sha'avir hazeh atzmo ou meza'em et alev ha'moach ha'israeli. Cet air même de Khutz La'aretz impurifie. Mézaheb, c'est plus qu'un purifié, comme on dit ça en français. Zioum, c'est une infection. Infecte le cœur et l'esprit d'Israël, là-bas. Machlishom et Tamtemo le raffaiblit et le rend obstru, idiot. Une incapacité de comprendre les choses profondes. Tentez un jour d'expliquer à un juif de Khutz La'aretz la renaissance nationale du peuple d'Israël. Il va te regarder avec des yeux effarés, il va se démonter la mâchoire, il ne va pas comprendre ce que tu racontes. Il n'est pas à même de comprendre. Si tu lui dis, regarde, c'est bien ici, tu vas gagner de l'argent. Ah, il s'éveille. Donc, s'il est religieux, tu dis, regarde, l'argent, disons que c'est un vrai religieux spirituel, l'argent, ça ne lui parle pas, supposons. Il faut qu'il ait un intérêt personnel, individuel. Tu lui dis, regarde, quand tu fais une mitzvah en Eretz Israël, tu reçois, en Khutz La'aretz, tu reçois un bon point. En Eretz Israël, tu reçois 20 bons points. Ah, ça vaut le coup alors. Il y a quelque chose à gagner. $20 par mitzvah. Ah, alors je monte en Israël. Et enfin, c'est une mitzvah en Israël. Voilà. Il est bouché, il ne comprend pas ce que tu racontes. Au début, on se trompe, parce que tu es ici, tu vis en Eretz Israël, tu respires de tout poumon la renaissance nationale du peuple, etc.
On t'envoie en chicroute, donc ça, tu viens avec des grands idéaux, et tu vois les gens qui se démontent la mâchoire à force de bâiller, et qui par politesse encore restent sur leur siège à t'écouter, mais ça ne leur parle pas du tout ton message. Ils ont une incapacité intellectuelle, morale, spirituelle de comprendre ce que tu racontes. Vous savez qu'il y a marqué qu'il est interdit d'enseigner la Torah à un goy. Chayav Mita. Qu'est-ce que ça veut dire Chayav Mita? Ça ne veut pas dire qu'on le tue, mais Beth Din. C'est-à-dire c'est une surnutrition qui le fait exploser. C'est comme un petit enfant. Ben, il doit boire du lait. D'accord? Il doit téter le lait de sa mère. Tu dis, mais je l'aime beaucoup, je vais lui donner un steak de mouton. Mais il va crever. Il n'a pas un appareil digestif adéquat pour digérer cette alimentation. C'est une surnutrition. Donc, d'enseigner la Torah à un goy, ça le tue. De même, enseigner la Torah d'Eretz Israël à un juif de Khoutsaret, ça le tue. Il ne comprend pas ce que tu veux de sa vie. Et comment alors le lier à Eretz Israël? Ça, c'est la galère. Le mieux à faire, à mon avis, c'est d'amener ici en tourisme. Qui voit? Parce que tu. Si on prend la même métaphore, ils sont sous l'eau, avec leur bouteille d'oxygène en plongée sous-marine. Tu viens, toi, en tant que chaliar d'Eretz Israël, tu mets aussi, toi aussi, ton uniforme de plongée sous-marine et tes bouteilles à gaz d'oxygène, et tu leur racontes, vous savez, qu'en dehors de l'eau, il y a une vie normale. Blou, 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 blou. Qu'est-ce que c'est ça qui se raconte? Il n'y a pas d'autre vie, il n'y a que ça. Il ne peut même pas comprendre ce que tu racontes. Donc le mieux, c'est de le prendre par la main. Viens, enlève tes bouteilles, enlève ta truc. Viens ici, viens voir. Regarde. Regarde. J'ai pas besoin de parler. Regarde. Respire. Mets tes pantoufles, rentre à la maison. Sens-toi chez toi. Et pas comme un cheveu dans la soupe. Menacé constamment. Honte d'exister. Vie. Regarde des juifs normaux qui vivent sur leur terre, indépendants, avec leur fierté nationale, qui ne se cachent pas, qui n'ont pas honte d'être juifs. Regarde. Un État, une armée, la police. C'est nous! Pas la police, les flics, patos, l'armée des. La Gestapo, ce truc. C'est nous. C'est moi, c'est mon fils qui est à l'armée. C'est mon cousin qui est le flic. C'est mon père qui est le truc. C'est nous. Nous nous autogérons, c'est nous. C'est notre terre. Là était Abraham Avinu, là était David Ameller. Respire. Il n'y a que comme ça qu'il faut comprendre. Alors on peut des fois quelques raïonotes leur envoyer en sachant par avance que tu en dis 1000, il comprendra même pas un dixième de 1. Et parfois ces petites gouttes peuvent lui donner un soubresaut de vie. Et de leur donner envie de vouloir venir dévorer la Torah d'Eretz Israël. On essaye. On sait par avance qu'il n'y a pas tellement de chance. C'est mes mythes. Atzmo, l'air même. Et sachez que ce n'est pas une métaphore. Quand il est marqué dans la Gemara, Avira d'Eretz Israël Markim. L'air des selles rend intelligent, ce n'est pas une métaphore, c'est kipchuto. Respirez à plein poumon, vous serez intelligent. Ah, or à chorma, la lumière de la sagesse, elle se concrétise en Eretz Israël, dans l'air d'Eretz Israël. Or et avir, c'est les mêmes lettres. Alev Avrech. Il y a dans l'air, dans les particules de l'air d'Israël, la sagesse divine. Il y en a qui ont dit, en blague, pourquoi les juifs de Khoutsaret ont un grand nez? Un grand nez. Tu vois, les juifs d'Israël, ils ont un énorme mot, alors que les juifs d'Israël, ils avaient un crochu, un grand nez. Toutes les caricatures dessinent les juifs avec un grand nez. Mais parce qu'ils sont dans une ambiance où il n'y a pas d'air, ils cherchent une goutte d'air. Le nez s'est allongé pour chercher une particule d'oxygène. Savez qu'on a développé des maladies. Non, mais maître. Il y a des maladies juives. Demandez au médecin. Il y a des maladies particulièrement juives. On a changé de climat. On n'est pas dans notre climat naturel. Ouais, il y a aussi ça. Mais, c'est-à-dire, on a langui l'air du pays.
C'est comme la blague, je raconte des blagues. Tu as parlé de blagues suisses, c'est une blague. C'est un mec qui débarque chez son psycho et dit, je suis à la panique, je sais pas, je me sens très mal, je suis désespéré, je me sens très très mal. Il vient chez un psycho juif français. Et le patient, c'est un arabe qui vient, je sais pas, du Maroc, d'Algérie. Je sais pas, j'ai pris tous les médicaments psychiatriques, etc. Je suis en dépression. Il dit, j'ai une super astuce. Tous les jours à midi, tu vas dans la poubelle publique, tu rentres la tête et tu prends une bonne bouffée d'air. Tu te fous de ma gueule? C'est parce que je suis arabe que tu me fais ça, etc. Et toi, tu es juif. Non, je te promets, ça marche. Il est tellement désespéré, le mec. Il dit, je vais essayer, je n'ai rien à perdre. Il fait ça pendant une semaine. Il revient comme ça, en pleine énergie. J'ai guéri, merci. C'est super. Mais tu peux m'expliquer comment ça marche? Ben, tout simplement, tu as l'anguille d'air du pays, il lui fait. C'est un petit peu raciste. Et ben nous aussi, c'est pareil. On a l'anguille d'air du pays, et donc on en devient malade. Mais là, c'était un air parfumé, c'est la différence. À force de respirer des airs puantes et infectées d'Avodah Zara, de méchanceté, de cruauté, de tout l'égoïme, on est tombé malade en exil. On a développé toutes sortes de maladies. Et ça fait des juifs faiblards, courbés, blêmes. Ils reviennent ici, ils redeviennent tous forts, musclés, avec une envie de vivre. Mais évidemment, ils retournent sur leur terreau naturel. On a été déracinés de notre terreau naturel, donc on a développé toutes sortes de maladies corporelles, psychologiques, psychiatriques, tout ce que tu veux, spirituelles. Aval. On termine ce pisca. L'ozati Torah Tachayim. C'est ça toute la différence avec la Torah de vie, anitzrechet le dor shelik v'etat de Mishicha, qui est tellement nécessaire à la génération préparatoire du Messie. C'est notre génération à nous. Shemuchachad le Mashiach me'eretz haChayim, qui doit prendre sa source dans la vie de la terre de la vie, c'est Eretz Israël. Mimakom betchayenu, de l'endroit de la maison de notre vie. Knesset Israël itna'ara letriya. Voilà que maintenant, Knesset Israël, c'est l'âme collective du peuple Israël qui traverse toutes les générations, s'éveille. Après 2000 ans de torpeur, elle se réveille. Elle se réveille à sa résurrection. Et ceci se voit dans la volonté de la nouvelle génération. Toutes les forces qui étaient en hibernation s'éveillent d'un éveil extraordinaire. Étonnant, stupéfiant. Donc aujourd'hui, c'est totalement impossible de les soumettre. C'est-à-dire toute cette approche, toute cette Torah qui tendait à soumettre les forces, à opprimer les forces pour te maintenir dans la religiosité, ça ne marchera pas en Eretz Israël. Cette école, elle est morte. Elle n'a aucune chance de réussir en Eretz Israël. Elle pouvait marcher sur des gens qui étaient à moitié cadavres. C'est les Juifs de Rutz-Lavetz. Ce qui caractérise cette nouvelle génération, c'est une volonté très très forte de vivre à plein poumon. Donc tu ne peux pas leur dire, pour servir Dieu, vous devez renoncer à une partie de votre vie. Ce n'est pas possible. Si c'est comme ça, je laisse tomber toute la Torah. Ou tu me trouves l'astuce, comment servir Dieu avec toutes mes forces, ou bien rien. Il n'y a pas moitié-moitié en route en Eretz Israël. En tchoum ils ont aucune possibilité, les achniam, de les soumettre bederk visha, c'est-à-dire dans l'école de la soumission. Kim les romemam ou on ne peut que les élever. La route d'Iflem est à derech et leur montrer le chemin, chez la aura, aromema, verdira, de la lumière la plus haute et la plus grandiose. Top, on arrête là pour aujourd'hui, comme ça. La prochaine fois, rappelez-vous, Yad Hashem Netouya lanou. Portez-vous bien.